camarades à but de pouvoir. Loin de là. J'applique des lois que je n'approuve pas forcément, tout en aidant les gens à les contourner. Faut voir ça comme mais pourquoi tu lui dis pas directement quitter ou voir. pour lui expliquer que tu l'encules, ce petit bâtard? En supposant que je veuille passer tout de suite, sans avoir ce document dont vous parlez, il n'y a vraiment pas moyen. Si, avec notre plan payé passé, c'est facile, tu perds et je te laisse passer. C'est de la corruption. Mais non, l'ami. Disons une amende forfaitaire. Une amende forfaitaire. Écoute, je te fais même la réduction pour les bons citoyens. Pour cette fois. 700 crédits, de toute façon je les ai pas. Ce pro des documents dont vous parlez, c'est lui qui commence. Je vais aller voir ton pote, je vais lui péter sa gueule. Vous cette chance de traiter avec lui. À voir toi-même. Mon ami a des papiers pour les postes de contrôle, pour échapper à la police. Pour entrer dans des quartiers de Prague que tu connais même pas. Vas-y de la part de Draomir. Je te donne l'adresse, ok? Vas-y, donne l'adresse. D'accord, donnez-moi son adresse. Je vais me faire des papiers gratos. Qui est derrière tout ça. Rekashka. Tu verras une cour derrière l'immeuble. C'est facile à trouver. Mon ami sera là-bas. Il te donnera la carte la plus récente. Paye-le et pose pas de questions. C'est parti. Je suppose que c'est les tarés de tout à l'heure, ouais, c'est ça. On va aller les voir. Je viens de la part de Draosir, Jean Baltrin. Bah alors? Ouais, il veut pas lui parler, ce con. Fais gaffe, Kamara. Ça pourrait mal tourner pour toi. Moi, je l'aurais déjà trouvé. J'ai prévenu, mon trouillard. Alors, parle-le, je sais pas, moi, c'est quoi ce délire? Ouais, non, on va peut-être pas sortir l'artillerie lourde. Va-t'en, tout de suite. Allez, vas-y, nique ta mère. Silence. Et silence. Il y a quelqu'un qui veut discuter encore ou pas là? Ouais, non, c'est possible que ça. J'ai jamais demandé à faire ça, mon ami. T'es gentil, mais. Je sais plus comment on fait pour les armes. On a vu. Mais non, c'est pas sérieux. Par contre, les touches, je les trouve un peu merdiques, hein. Donc. 10 mm, pistolet mitrailleur. Regardez le pistolet tranquillisant. Hop là. Alors. J'ai cru en voir un là-haut. Il doit être dans le bâtiment. Je l'ai vu ? Ah bon. Pour moi, j'avais raté, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ? Genre, t'as vu quelque chose, toi. Voilà. Recharge vite. Voilà. Les touches, j'aime pas. C'est con que changement d'arme, c'est pas comme d'habitude. Du coup, pour changer d'arme. On va faire un carnage. Bon, on va faire un carnage, c'est pas dit en fait. Et là, je viens de rater mon truc et je vais m'endormir tout seul. Oh là là. J'ai un petit souci au niveau des touches. J'aime pas trop les touches. Je vais voir si je peux pas changer les touches parce que ce niveau-là, c'est vrai que ça m'ennuie un peu. Je trouve que la personnalisation de manette
du nouveau Deus Ex, je la trouve pas top. Je vais voir si je peux pas changer ça. Parce que ça, c'est un peu dommage. Moi, j'ai du mal à m'y faire aux touches. Voir si je peux pas changer ça. Options. Armure moderne, manteau moderne, ouais, j'ai pas le choix pour l'instant. En même temps, j'ai rien débloqué, donc option. Gameplay. Non, je ne peux pas rechanger. Dommage. Milena serait plus jolie si elle se teignait pas les cheveux. Bon, toi, c'est fait. Mon Dieu. Ah. Attends, j'aimerais bien te pouvoir te parler ce coup-ci. On veut pas de toi ici. Pourquoi je peux pas te parler? Je suis censé te dire que je viens de la part d'un connard et il est pas d'accord, je comprends pas. Ça, je pige pas pourquoi. Si je vais par là, peut-être par là que je vais aller, peut-être moi qui suis nul. Peut-être moi qui suis con aussi, hein. Descendre ou pas? J'ai dit le papier expiré. Patientez. Comment ça, des trucs chauds? À moins que vous cherchiez les ennuis, allez voir ailleurs, amplifiez. Je commence à m'énerver, les gars, me parler mal. Du balai. Déjà, c'est le souci comme ça avec tous ces testiculaires. Vous avez trois quarts des endroits où je dois aller, on m'autorise pas à y aller, c'est un peu dommage quand même. C'est quoi ça? Il y a un truc par terre. Des biens. Pas un truc dans le coin sympa qui traîne, jetable, des caisses qu'on peut jeter, très bien. Ordinateur. Putain, je... Plus j'ai marché que vous avez le plus difficile. Donc là c'est le bâtard. Ça c'est le petit bâtard à qui j'ai parlé tout à l'heure. Pas celui-là d'officier. Par là. Restez tranquille, l'amplifier. Vous avez l'air de travailler pour quelqu'un d'important. Je sais pas qui et je m'en fiche. Si je déclenche un truc. Tu veux que je peux y aller, c'est ça? Tu m'attaques pas si j'y vais, non? Très bien. Ces papiers sont plus valides. Papier et merci. Ça commence vraiment à être pénible. T'as quelque chose? Ok. J'ai des problèmes. A que auto, où j'ai chida. Bien sûr que j'ai le droit de passer. J'ai pris pour qui, toi? Je sais pas ce que je vais foutre là-bas, mais j'ai le droit de passer. J'ai rien à foutre ici. Hé, hey, Jensen, t'es dans le coin? Les choses... Ouais. Disons que ça se complique par ici. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Je viens dès que je peux, Connor. Ça peut pas m'arriver à moi. D'accord, ça c'est pour me permettre de voyager plus rapidement de point en point. Très bien. Station, mais le machin, les chiottes, les alarmes. On va retourner là-bas. Je vais passer, les gars, vous inquiétez pas. D'accord, ils sont là-bas les pros des documents. Forcément, si je vais pas au bon endroit, ça fonctionne pas bien, quoi. Alors, c'est ça, je pourrais passer un peu où je veux, donc. Est-ce que vous voulez le café?
Retournez dans votre trou avant que je vous expédie à Pinel. Tout à fait. Par ici. De la part de Dramir. Dégage de là, le cyborg. C'est mignon, ça. Bouge ton putain de cul en ferraille. Tu cherches quoi, Bernie? Ah, c'est lui, d'accord. Je me suis fait arrêter par Dramir à un poste de contrôle. Je viens de sa part. Il paraît que vous aidez les augmenter pour leur permis, en les améliorant. Alpogno. Peut-être bien. Je peux savoir pourquoi je paye exactement. Pour avoir ton nom sur la liste. Milena est en haut. Bosse sur ton beau permis tout neuf. Reviens dans une semaine. Il sera prêt. Moyennant les frais de prise en charge. Et combien les gens payent pour ça? Ah, les gens. Les augmenter. T'as combien? T'as combien sur toi? Un chewing-gum et une canette de soda. 35 000 crédits. Mon pote m'a dit que ce serait gratuit, parce que je suis super sympa. Dramir, jamais il dirait jamais ça. Il dirait quoi? Un truc du genre, arnaque tous les augmentés que je t'envoie et récolte un max de pognon? C'est comme ça que ça marche? Écoute, donne-moi ce que t'as, et je mettrai ton nom sur la liste. Ça marche comme ça. Milena fait un super bon boulot. Franchement, elle en fait même un peu plus que ce qu'on lui demande. Je crois que j'en ai assez. Est-ce qu'on offre et sur ton ami là-haut, je vais éviter de tenter machin sans papier. Évidemment, t'es pour leur vendre n'importe quoi maintenant, c'est toi qui vas payer 35 crédits. C'est à peu près ce que je suis prêt à payer. Et donc à... là, j'aurais un beau permis tout neuf. Tu me fais perdre mon temps, le carré. Tu te plaindras qu'on a trop de boulot. Bon, on va tenter le pétage de gueule. Écoute, la fille là-haut est débordée de commandes. Bim. Normalement, ils sont assommés, j'ai le temps de réagir. You. Voilà, il y en a encore un noir. Je le vois pas. D'accord. T'es trois, je les ai pas vus quoi. Pas payer 35 000 balles pour son putain de permis, le bâtard. Pour dépasser sans faire trop de bruit, la vitesse n'est pas... Ok. Reviens plus tard. D'accord, c'est ça qui m'a dégagé en fait. Du coup, en fait, il n'y a plus personne qui garde la porte en fait. Je peux gentiment y aller et puis tout simplement. Enfoiré de Kraut. Ok. Appuie. Le gars, il met 3 jours à appuyer. Il y a peut-être quelque chose. Je vais voir. Il n'y a rien. Ok, je te suis. Yulot. Hop, quoique, il va y aller. Non, il y va pas. Bref, hop. Toi là-bas, pareil, même tarif, l'ami. Je peux pas le neutraliser d'ici? Si je peux, enfin, je peux, normalement, je peux. Voilà, très bien. Ensuite.